Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il est important de se rappeler du message du 25 février et du 2 mars 2020. Marie nous dit qu'on est prêt, qu'on a toutes les cartes en main et qu'il faut veiller. Veiller veut dire être en attente du ciel qui va certainement intervenir. Nous, on doit simplement continuer à aller à la messe. D'ailleurs, dans un ancien message, Marie a dit que des événements arriveront et qu'on ne sera pas fort. Mais seulement si on va à la messe en communiant, Jésus nous donnera sa force. Moi, personnellement, dimanche dernier, au moment de recevoir la paix, mon cœur s'est ouvert et j'ai reçu une joie profonde, presque avec des larmes. Je crois que j'ai reçu une paix profonde. Donc, on doit aller à la messe, se confesser, lire la Bible, jeûner, offrir des sacrifices et prier avec le cœur. Marie nous dit « Ouvrez votre cœur à Dieu et la chaleur du soleil du printemps réchauffera votre cœur. » Ce qui veut dire « Parlez de vos peurs, de votre colère, de vos angoisses, de vos difficultés à Dieu. » Je rappelle la prophétie de Marc Robin. On ira très bas, plus bas que les autres nations. Pour l'instant, l'Italie est plus bas que nous. Donc, on descendra encore. Et on ne restera pas longtemps tout en bas. Car la France se réveillera et priera très fort. Dieu entendra et c'est Marie qui viendra nous sauver. La France se redressera très très vite et redeviendra la fille aînée de l'Église. Elle donnera à nouveau l'exemple aux autres nations. Il faut se rappeler que le 18 mars, jour anniversaire de la voyance du 2, il peut se produire quelque chose d'important, peut-être l'intervention de Marie. La peur du virus doit vous pousser à faire des prières efficaces, car vous devez prier avec des sentiments, et le sentiment de peur ouvre votre cœur et vous permet de faire des prières efficaces. Marie nous dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Alors, confiance. Apparition du visage de Jésus. Roberta, en juin 2018, a pris ses photos, car elle y voit le visage de Jésus. Et elle ne comprend pas, pourquoi Jésus apparaît sur cette porte en bois. J'avoue que moi aussi je vois le visage de Jésus. Et je pense qu'il a voulu faire un signe à Roberta pour l'encourager dans sa religion. Voici mes t-shirts. Ils sont sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, une demande de prière, voici mon adresse mail remy.croixacier@orange.fr. Prière. Fermez les yeux. Et répétez après moi. Marie, prie pour donner le courage et la confiance à tous les abonnés qui en ont besoin. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen. Voici les prières pour les abonnés. Merci de prier pour Françoise qui ne peut pas s'empêcher d'acheter des sucreries et de la bière. Priez aussi pour Olivier, un père de famille qui souffre de solitude et qui boit régulièrement. Et enfin pour Gilles, qui rejette la religion à cause de sa sexualité. Fermez les yeux et répétez après moi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici une vidéo ultra rapide de ce que je vends. La boutique www.croisier.fr. N'oubliez pas, pour m'encourager, me soutenir, m'aider à continuer, de vous abonner en cliquant sur « S'abonner » sous la vidéo. C'est simple et ça m'apporte beaucoup. Céline nous remercie pour nos prières, car elle était attirée par d'autres hommes alors qu'elle était mariée. Maintenant, elle est délivrée de ce péché.